Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous visionner. Alors, bande de colabis au babolingo, bayimboka, bokayabakoko, botanabinonyonso, banabetu basuivre, banarani batelegi, moyo wenu ponso, wandugu atenzi, wasikizaji, wote, tunawasalimia. Mampangi ya muli ya luzolo mbote na pelu. Voilà, il y a beaucoup de titres, mais nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Ezali Akoyinda na moment oyo na parlement ba parlementaire debout oyo bazali komi benga majorité populaire ba ye kotelema la présidente ya parlement Mabunda liboso ya parlement. Donc ils se disent prêts à en découdre avec le Parlement, y compris la présidente Jeanine Mabunda. Et pourquoi ils sont là? Et ils disent que, voilà, ils ont été déçus et blessés du fait que il y a des députés tels que le député Nawej qui ont insulté le président et l'ont traité d'inconscient. Alors, comment est-ce qu'on peut injurier un président de la République de cette façon-là? Et voilà, les parlementaires debout, ils sont là. Ils lancent toutes sortes de slogans. Certains disent qu'ils sont là pour 3 jours. Ils ne savent pas quand ils vont quitter. Dont certains autres exigent la dissolution du Parlement parce que la coalition FCC-CACH, c'est une coalition contre nature. Ils ne s'entendent pas. Kabila réclame les quatre ministères de souveraineté, les ministères régaliens, comme on les appelle. Comment est-ce que un certain Kabila, je vais dire le FCC, peut prendre la justice, les finances? Ils ont géré comment pendant 18 ans, avec des parodies de justice et de toutes sortes, avec les crimes économiques, les crimes de sang, les fosses communes. Et voilà, la majorité populaire est là, ils veulent en découdre, et surtout ces derniers temps avec les scandales à répétition, tels que dernièrement, on vient de découvrir que Kabila utilisait des services secrets israéliens pour infiltrer les opposants et savoir tout ce qu'il faisait. Et il paraît qu'il y a 17 personnes tuées dans les manifestations, y compris Rossi Mukendi, qui en fait partie, c'est suite aux recherches des anciens membres des services secrets israéliens, payés par Kabila jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça donne la colère. Il n'y a pas deux présidents dans le pays. Bon, chers compatriotes, restez connectés. On vous donnera la suite. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour connaître la suite de ce qui viendra. On va vous la donner aujourd'hui même. Regardons. Des troubles au Parlement. Avec les combattants de l'UDPS. Ils essaient de lancer un avertissement au FCC Kabila. En fait, Kabila veut tout contrôler, quoi. Déjà, il veut les 4 ou 5 ministères de souveraineté. Silence!
Il complote déjà pour destituer Félix Tshisekedi. Eh bien, l'UDPS s'est révolté, ils sont là devant le Parlement. Pour dire ça. C'est plus bien. Oui, là-bas. Thank you.
direct. Hein. C'était stratégique. L'âge de ces minutes. Les parlementaires debout, ils sont là. Mabound Keba. C'est quoi ton finger échangé? Pourquoi pas nos fingers dans l'âge de notre finger échangé? Il ne sait quoi en gros. Hein? Il ne sait en gros. On dirait maintenant que le FCC est au gouvernement. Et l'UDPS le cache, ils sont des opposants incroyables. Tozana posé à Mabunda. T'as entendu? Il se faisait examiner au Maroc. Kabila a des espions infiltrés partout, partout. Il utilisait les Israéliens. Et on a découvert ça. Hein. Chers compatriotes, c'est en direct. Soyez toujours connectés, nous allons arrêter momentanément et nous vous ferons suite de ce qui va se passer. Ils sont là, ils disent que Tozan a poussé à Mabunda parce qu'il y a des députés qui ont insulté le président de la République d'après les parlementaires debout. Ils veulent qu'il soit invalidé, voilà. On ne sait pas comment ça va aboutir. Tous alliés ou à trois jours. Tu as entendu? Les parlementaires debout disent qu'ils sont là pour trois jours. Ah,
C'est très beau. Il y a une seule fille. Hein. Ça, c'est un véritable avertissement. Tous ces sont-là disponibles. Les députés cassent la main de ces faits. Et ils avaient demandé à chacun. On s'attaque au chef de l'État et aussi nos bandits dénoncés de pillage, de crimes. Ils vont le brandir. Ils ont peur de quoi? Ils supplient qui? Le pouvoir est entre les mains du peuple. C'est pourquoi vous voyez le peuple qui est électeur, il se manifeste. Soit il s'aligne sur le droit chemin imposé par le président. Oui, c'est ça. Le président, il joue pas dans le président. Ils ont construit une majorité factice. Si, si. Mais nous, le peuple, nous sommes plus que majorité. Si, si. Le pouvoir est ici. Ils vont voir vos images. Ils s'allient. Et ils doivent se répartir. Sinon, vous allez là-bas. Chers compatriotes, le député qui a traité le président Félix Tshisekedi d'inconscient s'appelle Nawej. Il est l'un des députés. Parce qu'il n'est pas le seul. Alors, ils veulent la dissolution du Parlement. Et des élections anticipées. Mais constitutionnellement, il faut un an et six mois. Thank you.
Alors, chers compatriotes, au revoir, Boutique à la Malamou, Benobi Kalambote, Wandugwapenzi, tout la Malisa, tout à Olana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benobi Kalambote, et tout à Molana, Mbas. Dans la bête, va suivre, Chalai Bip, de tout mon âme. Chikondo chikwabu kuvideo mukwabu. Ana lingo amboshila.